Je viens de me rendre compte que j'arrête pas de faire des stories Instagram et que j'oublie complètement de vlogger. Je suis arrivée à Excel London pour la Comic Con. Je me suis trompée de... Enfin, je savais pas en fait où j'allais et j'étais pas dans le bon endroit. Donc là, je marche pour aller à l'entrée presse. Il y a tellement de cosplayers, c'est juste trop trop bien. Je filmerai du coup davantage à l'intérieur parce que à chaque fois que j'essaie de prendre quelqu'un, bah, je suis trop tard. Donc voilà, mais ça a l'air vraiment hyper cool. J'ai peur qu'il y ait du monde et que bah, mon anxiété et mes crises de panique, voilà. Mais bon, on y croit, ça ira. Pfiou ! Greenwich est pas très très loin d'ici. Du coup, ça me donne envie de retourner à Greenwich parce que la dernière fois je suis allée et c'était juste trop bien. Non mais ce bateau, les gars, c'est un hôtel quoi. Non mais tranquille et mille. Donc Excel est là et moi à West Entrance. Regardez, il y a Clochette. Regardez. Il y a Clochette juste là et la petite sirène. Oh my god, this is amazing. Oh, I love it. Regardez ces grottes. Look. Il y a plein de trucs pour manger, etc. Délices de France. That's for me. Costa. Ok, The Potato Factory, brilliant. Et après, bah, il faut que j'aille voir, tout ça, tout ça. Bah, alors, il y a une entrée là, il y a une entrée là. Et je n'ai pas la moindre idée de où je vais, parce qu'en fait, je ne sais même pas ce que je fais. Bon, et bien du coup, j'ai retrouvé mes... mes deux acolytes pour la journée que je vais vous présenter tout de suite. This is Jasmine. Hello. And this is Jack, my boyfriend. Look at her hair. It's so cool. Yeah. So, yeah, we're basically gonna have a fun day and that's gonna be great. Des photos du groupe ici qui fait donc du cosplay, c'est des amis de Jack. Du coup on est sorti pour faire les photos ici. It's such a nice day, look at everybody else. I don't know if you can see that. What? Do you want to say hello to the vlog? You don't want to look down, it's basically. Oh why? Oh my god, okay, yeah. I don't want to. So yeah. Okay, no. Oh, sorry. Comme vous pouvez peut-être le savoir si vous me suivez depuis un moment, quand il y a trop de monde, ça devient vite oppressant pour moi. Et là, là c'était too much quoi, il fait chaud, bah, y a un monde fou. Donc voilà, comme en plus il fait beau, j'ai envie de rentrer, de profiter un peu du soleil dans le parc, tranquille et mille, de me reposer. Et je reviens demain pour continuer un petit peu. Et je me suis acheté quelques petites choses au niveau des... créateur
voilà, j'avais envie de soutenir un petit peu des artistes et tout. C'était vraiment une bonne journée quand même. Je suis contente d'avoir passé la journée avec Jasmine et Jack. Mais voilà, j'ai pas revu Lucius et Draco Malfoy, donc que j'avais vu ce matin et que j'ai pas eu le temps d'avoir sur caméra. Donc j'ai bon espoir que je les revois demain. Regardez comme c'est beau quand même. J'adore. Comme je vous disais ce matin, Greenwich est pas très loin. Je serais presque prête à aller à Greenwich, mais non. Je suis surtout prête. Je suis surtout prête à rentrer tranquillou. Mais en tout cas, c'est assez ouf. Un jour, j'espère vraiment, vraiment pouvoir faire la Comic-Con de San Diego avec tous les panels. Un jour, peut-être. Un jour. Il est 17h30 et je suis arrivée à la partie il y a à peu près une demi-heure. Voilà, je me suis posée un petit peu. J'ai essayé de manger un petit peu aussi parce que j'avais faim quand même. Et là, je vais ressortir dans pas très longtemps. Je regarde la vidéo de Zoella. Je vais ressortir dans pas très longtemps pour aller profiter du soleil pendant une ou deux heures. Tout le monde, c'est le deuxième jour de la MCM. Aujourd'hui il est dimanche, il est 8h du matin, je me suis levée à 6h30 aujourd'hui, je me suis dit je vais profiter, en fait je voulais surtout arriver tôt avec l'espoir que je puisse vlogger en toute tranquillité pendant une heure à peu près. Je me dis que potentiellement il y aura moins de monde à 9h du matin que genre à midi ou quelque chose comme ça, donc fingers crossed. Parce que voilà, je voudrais vous montrer un petit peu autour des stands, etc. Je me suis dit, j'ai la flemme d'aller jusqu'à l'entrée ouest pour la presse et tout. Je me suis dit, je vais aller au même endroit que les autres, il n'y avait pas trop de monde. Oh là 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 là, quelle erreur. Quelle erreur. C'est vraiment pas des idées très lumineuses. Hein. Voilà, voilà. C'est ça que ça ressemble.
viens d'acheter quelques petits présents pour des gens à ce stand et j'adore les prints, j'adore ce qu'ils font, les stickers et tout. Voilà, c'est vraiment pas grand chose mais... Oh, à une super grande table. Je me sens un peu genre et sinon je viens de faire un petit sourire à un gars et il a fait un petit sourire en retour et après il m'a regardé et après on s'est regardé et après il est parti et c'est l'histoire de ma vie. Oh wow. Aux illustrateurs, mais bon, ça me fait plaisir de les soutenir parce qu'ils font tous un fantastique travail. Le massage. Bon les gars, je ne sais pas où est Malfoy et Lucius. Je ne sais pas comment les trouver. Oh, je veux voir Malfoy et Lucius, moi. Je viens juste de parler avec une illustratrice, elle fait aussi des animations et c'était vraiment trop cool et genre elle était là, oh, parce qu'elle a vu mon pass, elle m'a dit oh, t'es créatrice aussi machin, je peux voir, enfin pour moi pas vraiment le même level que toi et du coup on a commencé à discuter et tout et elle était là, oh, ben si tu veux on pourrait aller prendre un café un jour et tout, j'étais là, oh oui je veux des amis. Elle vient de Russie et ça fait genre 10 ans qu'elle habite ici et elle travaille pour Simon's Cat à la base et puis elle fait des trucs on the side aussi. Vraiment, ouais, ça m'a fait trop plaisir. Thank you.
je viens d'arriver. Oh là là. Rosario Dawson qui joue dans Luke Cage mais aussi dans Jane the Virgin et que hier j'ai raté. Je pense que j'ai vu ce que je voulais voir. J'ai dépensé largement suffisamment de sous. Donc bah en fait j'hésite à rentrer. Mais je crois qu'il est genre 13h. Je me dis rentrer alors qu'il est 13h, c'est tôt tu vois. Mais en même temps je suis arrivée à 9h. Je sais pas quoi faire. C'est le grand dilemme de ma vie en ce moment. C'est que tu vois, je sais qu'il faut que je fasse davantage de choses. Et puis en plus aujourd'hui c'est la fête des mères. Donc bon, moi j'ai eu 3 fêtes des mères depuis, parce qu'en mars c'est la fête des mères de UK, il y a 2 semaines c'était la fête des mères aux US, et là c'est la fête des mères en France, et je sais que si je rentre bah, je vais être triste, mais en même temps je suis fatiguée, je me suis levée à 6h30 ce matin et j'arrête pas de marcher depuis ce matin, je sais pas quoi faire, j'ai peur de regretter si je rentre, et en même temps j'ai plus grand chose à faire ici. J'ai pas envie de continuer à acheter des choses. Le dilemme de ma vie, quoi. Voilà, voilà. J'étais aux toilettes et j'étais en train de prendre le papier, vous savez, pour l'essuyer. Et regardez, je me suis pris le bac à papier dans la tête. Et regardez, parce qu'en plus je marque relativement facilement, mais ça m'a fait trop mal. En plus, je me tape un jetard de ouf sur le menton. C'est sympathique, vraiment sympathique. Ça passera. Ça fait un petit moment que je suis rentrée. Je suis passée faire quelques courses, j'ai déjeuné, j'ai regardé quelques vidéos YouTube, quelques épisodes de Friends. Ça conclut ce vlog et cette saison, on va dire, de la MCM. J'espère pouvoir y retourner l'année prochaine ou dans 2 ans, quelque chose comme ça. Parce que c'était vraiment, vraiment pas mal, j'ai bien aimé. Définitivement quelque chose à faire je pense entre copains, c'est plus fun que de le faire tout seul. Après, voilà, ça faut pas s'empêcher non plus de pouvoir faire des choses s'il y a personne qui peut le faire avec nous. Voilà, j'ai vraiment aimé rencontrer des illustrateurs, des créateurs, j'ai vraiment aimé voir tous les cosplayers et tout ça. Donc vraiment un bon week-end.